Alors bonjour et bienvenue dans l'entrevue perché. Aujourd'hui nous sommes à la Luciole avec le groupe Akasha. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Donc Kevin, chanteur et guitariste. Vincent, saxophoniste et machiniste. Gilles, tromboniste et beatmaker. Gwen, batteur. Et moi, Barlem, chanteur. Alors reggae ou électro? Bah électro. Électro. Vous êtes connus comment? On s'est connus dans un bœuf. Un bœuf, ouais, c'est ça. On a intégré un groupe de musique, on est parti, on a sympathisé direct avec Vincent, et puis on est parti en Jamaïque ensemble. Et super. Donc voilà, on a décidé de créer de la musique ensemble. Alors vous jouez à deux ou à six? Il se peut que vous nous voyez en formule à quatre. Quand ou à Alençon? Non, en fait, non, on est un peu tous, il y a tous les départements de la basse normande. Ouais. Bah, nous, on est originaires de Bayeux, tous les deux, mais moi, j'habite plus vers Flers, Kevin, Précy, Saint-Lô, Caen. Du coup, on répète au Cargo, parce que c'est central. D'accord. Mais on adore venir répéter à la Luciole, parce que l'équipe est vraiment super accueillante. Justement, comment s'est passée votre résidence à la Luciole? À chaque fois une super expérience. Voilà, ils posent les bonnes questions, c'est juste de solutionner direct. Du coup, studio ou scène? Bah, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps tous les deux à composer. Enregistrer, c'est mixer un studio, faire des choix, tout le machin, mettre en forme, créer du lien. Tout ça dans le but de faire de la scène. Tu vois le morceau qui prend forme petit à petit. C'est super. En français ou en anglais? Par choix. Ça rapproche pas mal de la culture sur ce système. Il y a beaucoup d'anglais, la musique de la base c'est anglais, le Jamaïque, le patois surtout en fait, parce que c'est l'anglais, c'est le patois. Le mixer avec les sons en français. Votre plus grand rêve? Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'appeler les gars là, la semaine prochaine, là, bien, bon, c'est parti. On est une tournée. Voilà, un camping-car. Voilà. Non, mais ouais, de faire du hack. Moi, mon rêve, ouais, ça serait d'emmener toute l'équipe en Jamaïque, pour aller retrouver des endroits où on était. Tous les deux dans certains studios, pour vraiment qu'on aille avec l'équipe là-bas. Ouais, je crois que c'est bon. Bah, Amélie, I can fly ou I can fly? C'est pas I can live, on le sait. On sait qu'on peut voler. Le message de ce morceau-là, c'est ça. C'est un postulat. C'est votre chanson préférée? L'Aziza de Balavoine. Balavoine, Dani. Dani. Festival ou concert? Un festival, ouais. Akasha, c'est un beau festival. Festival, c'est pas mal aussi en extérieur. Ouais. Quelle a été votre plus grande scène? Rastatt, chauffé, ouais, Montmartre, c'était super. Au son de l'eau, c'était une bonne scène. Rastatt ou les papillons de nuit? Rastatt. C'est la famille. Big up, Rastatt. Les papillons de nuit, on arrive très très vite. Hein. Oui. Hein. On arrive très très vite et ça va être très 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 bien et on est super content d'être sur la fiche de papillons. Vous nous jouez un extrait d'une de vos chansons? Sur quels réseaux sociaux peut-on vous retrouver? Bah, Facebook. Facebook, Instagram depuis peu. YouTube. Alors maintenant, je vous laisse faire 30 secondes d'autopromo. Vas-y, je mets le P comme ça et toi tu parles. Ceci est une œuvre, ceci est le fruit d'un travail musical, ceci est la naissance d'une girafe bionique qui joue du rhabadob pour toi, toi et toi. C'est Akasha, c'est sax, c'est dub, c'est pône. Bientôt dans ta ville, bientôt dans les salles, bientôt dans ton festival. Appelle tes amis, ta famille, tes voisins. Run that track, Selecta. Merci à Akasha. Ben, de rien, et merci à toi. Ouais, à la Luciole, parce que c'est ce soir. Et c'est tout à l'heure, on est chaud. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Merci.